Hello tout le monde, c'est Doug, ravi de vous retrouver pour ma 15e verrine. Aujourd'hui, je vous présente une verrine très rafraîchissante et gourmande, parfaite pour un dessert, c'est la banana split. Concernant les ingrédients, il vous faudra préparer de la glace ou des sorbets au chocolat, à la fraise et à la vanille, ainsi que deux bananes, de la chantilly et quelques billes de chocolat. Chaque verrine contiendra 141 calories avec une contenance de 10 centilitres. Allez, pour commencer, nous récupérons le sorbet de fraise. Et avec celui-ci, nous allons mettre la première couche au fond de la verrine en essayant de l'aplatir au maximum sur environ 1 cm. Ensuite, nous allons ajouter une deuxième couche, mais cette fois-ci en prenant le sorbet de vanille. Et on la met par-dessus la fraise avec si possible la même épaisseur. Concernant la mise en verrine du sorbet, il ne reste plus qu'à y ajouter le chocolat. De la même façon que la fraise et la vanille, on y dépose le chocolat par-dessus. N'hésitez pas à nettoyer au fur et à mesure votre verrine si besoin. Allez, on passe à la préparation des bananes. Pour cela, vous les récupérez et vous les épluchez. Nous allons former trois petites boules de bananes que l'on va préparer grâce à une cuillère à boules de type melon. Dès que la forme vous convient, vous les ajoutez au fur et à mesure dans les différentes verrines. Et ensuite, on y ajoute un peu de chantilly sur le dessus de chacune des verrines. Et pour la touche finale, ajoutez quelques billes de chocolat sur la chantilly, et voici un exemple en image. C'était la verrine banana split, j'espère que cette présentation vous donnera envie de la réaliser. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines réalisations. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle verrine. Salut !